Le groupe, un échantillon du groupe Fabulous Coco Blues avec Coco, donc à l'harmonica, et d'ailleurs qui porte le nom du groupe. Voilà, c'est pas lui. Pour rien. On est cinq, on n'est que trois là. Gilou à la guitare, au chant, moi à la basse, Tom Bull à la basse, au chant, et il manque Ben qui a la batterie, et puis Jean-Pierre Fernandez. Encore Jean-Pierre qui fait une grosse partie chant aussi. Grosse partie voilà, chant, guitariste voilà. Chant. On s'est rencontré avec Thomas et on a décidé de faire un groupe. On ne savait pas encore avec qui. Mmh. Et ça s'est fait par hasard, hein, je me rappelle. Ouais. Hein. Donc on a décidé un jour avec Thomas, de dire, tiens, si on montait un groupe de blues rock. Ok, puis c'est parti comme ça. Mmh. On a un jeune groupe, on a quand même un jeune groupe. Hein. On s'est formé en 2015. Donc c'est récent. C'est relativement récent. On évite un peu les vieux classiques du blues, de ce qu'on appelle le blues à papa. Ouais, parce que tout ce qu'on voit tout le temps, etc. Non, on a envie de faire un mélange de rock des années 60-70 avec tout ce qu'il y avait dans le blues. Non, mais on ne peut pas dire qu'on soit blues à 100%, c'est pas vrai. On n'est pas blues à 100%, on est teinté de blues. Et de rock aussi. Le blues, c'est la simplicité même, mais en même temps, c'est ce qui permet justement de dégager énormément d'énergie, de la pêche. Parce qu'on ne verra jamais le blues dans une école de musique, ou le rock, ou le blues dans une école de musique. Parce que ce n'est pas une musique technique, c'est une musique avec des ingrédients simples pour dévoiler l'âme profonde de chacun. Je me suis dit, est-ce qu'on va continuer à faire des reprises comme ça avec un groupe de blues? Non, c'est peut-être pas la peine. On va, puisqu'ils sont tous bons et qu'ils sont d'excellents musiciens, que ça va très vite. Je me suis dit, bah voilà, un groupe avec qui faire des compositions et lancer le truc, quoi. Et donc, bon, j'écris quelques paroles en anglais. Il y a un pote aussi qui nous a écrit des paroles en français et en anglais. Donc, on reprend ça et puis on amène notre touche personnelle. Souvent, il y a des thèmes qui sont dans le blues, qui sont l'amour, qui sont la solitude, l'amour, l'existence, quoi, face à la... il y a aussi une sorte de message, parce que les Blacks, ils étaient opprimés, donc ils ont exprimé plein de messages codés, messages cachés. Il y a ces histoires de diable, avec, on sait la légende de Robert Johnson, etc. Donc il y a souvent l'amour déchu... La mer perdue, des choses comme ça. Donc moi, j'exprime aussi un peu dans mes paroles. C'est ça, que tout le monde qui nous entoure a peu d'importance face à l'amour, face à l'authenticité de notre être, de chacun, qui a, lui, toute sa place. C'est-à-dire que, par exemple, les gens sont intéressés par l'argent, les gens sont intéressés par la religion, les gens sont intéressés par le pouvoir, mais moi, je m'intéresse à l'amour. Ouais, pour les téléspectateurs de TV07, je leur souhaite la bienvenue à nos prochains concerts. Ils peuvent se renseigner sur le site en cherchant Fabulous Coco Blues. Ils vont trouver, on a toutes les dates qui sont inscrites sur notre site. On joue pas mal à Montélimar et j'espère qu'on va aller venir. Et s'ils viennent nous voir, qu'ils nous fassent un petit coucou. Et puis on sera content de les recevoir. Bienvenue au 07. Hein, voilà.
C'est avec plaisir qu'on rencontre un nouveau public. On aime toujours partager un verre après un concert avec le public aussi. On aime ça aussi, quoi. Et on espère que vous serez nombreux à venir nous écouter. Et merci, TV07. Disaster, coming in a pool car, spends the night in jail, Bolina.